C'est le visage du kamikaze qui s'est fait exploser lors de l'assaut à Saint-Denis à Paris. Chakib Akrou, un jeune Molenbeekois de 25 ans de nationalité belgo-marocaine. Il était domicilié à Molenbeek, rue Évariste Pierron, mais a été radié des registres communaux en août 2014. Un homme fiché par l'OCAM et condamné récemment à 5 ans de prison par défaut dans le cadre du procès sur la filière syrienne. Cet homme était bien connu des services de police et de la sûreté de l'État. Il était parti pour la Syrie en 2013. Ce sont des comparaisons génétiques entre lui et des membres de sa famille qui ont permis de l'identifier. C'est lui qui s'est fait exploser à Saint-Denis. Il aurait participé à l'attentat des terrasses le 13 novembre à Paris. Aujourd'hui dans le quartier, beaucoup de télévisions étrangères, mais aucun témoignage. À son domicile, personne ne répond. Et dans la rue balayée par la pluie, les passants que nous accostons préfèrent se taire. Vous connaissiez la famille, monsieur ? Vous connaissiez monsieur Akroub, en fait ? Non ? Vous connaissez pas ? Dans la presse, les proches qui se confient parlent de Chakib Akrou comme un homme discret et réservé. Ils sont sous le choc après l'annonce de son décès.